Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sous TAK 509, tout haïtien connecté. Jeudi, en ses premières sorties, émission Mon éditorial pour semaine là. Déjà, nous avons une semaine qui a annoncé riche en idées en pile nouveautés. Ou même qui sont fidèles abonnés TAK 509, continuez à faire confiance pour nous former et informer. Et ou même qui regardez vidéo et qui pas quoi abonné, c'est moment pas pour rejoindre famille. Ensemble, nous allons brasser l'idée sur différents points forts qui dominent l'actualité. Des micro-présentations, voire pas changer, c'est toujours même Yannick là. En pile monde a questionné légitimité Jovenel Moïse après 7 février là qui se passé. Est-ce que mandat fini? Est-ce que c'est un bras de fer politique entre gouvernement et opposition? Est-ce que nous sommes en dictature? Est-ce que blanc vient dire un mot? C'est autant de questions différentes couches dans la société à poser tête aujourd'hui. Et d'ailleurs, sous question fait mandat présidentiel, moi te répondre question ça, m'te clair sur l'article 134-2 de Constitution. N'a joint le lien vidéo en description, nous ka toujours visualiser. Jovenel te prêté serment 7 février 2017 et au regard de la Constitution, lié le pour 5 ans. Mandat supposé fini 7 février 2022. Ça nous clair sur ça. Et qui l'autre bagarre encore m'a pas ajouté, je dirais que c'est la revanche politique. Parce que 13 janvier 2020, Jovenel a décidé de constater caducité parlement. À 2 tiers Sénat qui a allé, Chambre député a allé tout, alors que était rentré même le Havel. Donc, c'est jouet politique qui était plus fort au lieu que tu choisi de respecter la loi. Moi-même, tout, si je considéré la politique, je dit mandat fini 7 février 2021. Mais, étant donné que c'est la loi qui boussole, moi, c'est la loi m'habitue à respecter, c'est la loi me respecter. Donc, je suis obligé de prendre ça pour faire propagande, pour faire capital politique, pour me dire, pour m'aller dans la même ligne avec eux, dans la même perspective avec eux. Je respecte la loi, je respecte la Constitution, je fais analyse, suivant sa Constitution comme base légale. Jodi a nous parler complot. Complot contre la sûreté de l'État. Suite à des déclarations que le président Jovenel Moïse fait, côté que des citoyens haïtiens qui ont comploté pour tuer, pour bal coup d'État. Et aussi, des bandes audio qui languent sur Internet, là, sous participation plusieurs hauts fonctionnaires dans l'État. Il y a plusieurs arrestations qui font tout dans le même cadre complot contre la sûreté intérieure de l'État. Dans le code pénal, nous avons une catégorie d'infraction, les crimes et délits contre la chose publique. C'est là-dedans nous prenons joindre crimes et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Pour 7 février, nous constatons arrêté plus de 20 personnes. Parmi eux, il y a une inspectrice générale dans la police. Et d'ailleurs, c'est une femme qui est plus influente dans le PNH. Marie-Louise Gauthier-Sandardia. Et il y a tout, un juge cour de cassation. C'est juge ça. Opposition a été choisi pour mettre comme président provisoire. Je parle de Yvickel Dabrésil. Ils ont reproché 20 personnes de crimes contre la sûreté intérieure de l'État. Est-ce que nous connaissons ça, ça veut dire? C'est pas petit, c'est pas grave. Ou préparer coup d'État, soit pour tuer président ou gouvernement, soit pour renverser le gouvernement. Donc, dans 2 cas de figure, c'est groupe armé qui campe en rébellion face à une autorité établie. Et sous ta coupable même, on peut prendre jusqu'à 15 ans de prison. Quand il y a une question nous pral poser nous là, est-ce que 7 février nous te face à un coup d'État avorté, un coup d'État raté, j'ai tout le monde a dit là. Qui là nous ka parler de complot? Gen complot, c'est le gen matérialisation des faits ou bien ça ne carré un commencement d'exécution qui gen pour objectif pour détruire une institution publique, pour changer un régime constitutionnel ou bien tout pour inciter des gens à la rébellion pour porter des armes. Soit pour porter atteinte à vie ou bien à intégrité en autorité, comme par exemple un président, un premier ministre ou bien des membres d'un gouvernement. Dans le cas 7 février, on parle de complot contre la sûreté intérieure de l'État, côté que arrêté plusieurs fonctionnaires. Est-ce que y a des preuves suffisantes tout qui permettent de répondre avec accusation? Ça parce que c'est une accusation qui est grave. Lors du complot contre la sûreté de intérieure de l'État, on parle de coup d'État, on parle de tuer un président, on parle de tuer un membre de gouvernement. Donc, c'est bagaille qui terrible, c'est bagaille qui grave. Donc, il faut que la justice fait travail, il faut que l'autorité judiciaire fait travail pour arriver à découvrir si oui, c'est une tentative de coup d'État ou bien si c'est des tractations qu'a faites. C'est pareil ça, c'est dans la logique ça pour nous avoir PNH qui travaille, c'est dans la logique ça pour nous avoir des autorités compétentes qui travaillent, mais ce n'est pas dans la logique de propagande. Est-ce que nous avons dit que la police présente suffit pour préparer un coup d'État? Qui rôle Dimitri est censé jouer dans un éventuel coup d'État ça? Est-ce que il y a fiabilité dans la découverte qui fait tout? Tout ça, c'est autant de points d'analyse que nous allons essayer de répondre ensemble. Premièrement, le matin des interventions de justice, je juste envie de boucher les oreilles. Parce que ça la baille comme argument juridique pour courir l'arrestation de mon mes amis. C'est pas jouer petit bébé, jouer petit monde. Qui quantité d'armes et munitions mon t'a besoin pour faire un coup d'État? Parce que moi-même, je regarde les images qui circulent sur les réseaux sociaux, sous moun yo di qui prépare pour coup d'État. Moi, sincèrement, moi, force pas proportionnelle. Des séries de petits grands moun. Parce que soldats pas jamais dormi. Lorsque soldats, on en bataille ou pas dormi. Des séries de moun arrêté à pyjama te couché dans cabane yo. Kounya faut nous me poser tête nous vraie question yo. Qui wol Dimitri Era gagne dans scénario ça? Qui wol Dimitri Era gagne dans scénario ça? Alors que ministre justice l'a parlé de prendre contrôle par les nationales, comment ça t'a privé possible si éventuel agent ça yo pas enregistré dans boîte de service ça? Pour entrer dans palais comme agent USGPN, dans jour, dans le travail ou gon boîte de service soit enregistré là-dedans. Si moun sa ou pa gon complice interne, comment t'a fait possible? Et d'ailleurs konya, c'est pour nous poser tête nous question, qui niveau de confiance inspectrice Gauthier mette dans Dimitri pour t'a espérer gagner comme allié dans coup d'état ça? La poste si important konya pour DCPJ auditionner Dimitri, c'est pas vinn prétendre que ou jouer rôle héros ou ka héros vrai, il pas impossible, mais faut nous connaître les vraies perspectives qui te gagne des protocoles d'accord ça. Oui, la police saisit plusieurs armes avec une manchette sur les lieux. Bakay ça comique, oui. Pas OK. Si un juge cour de cassation qui là, c'est normal pour gen zampal. La gen zampal et c'est normal sécurité la gen zam. Te gen plusieurs policiers au dik sous place. C'est normal policiers ça yo a toujours gen des armes de fonction qui avaient aux armes de service a toujours sou yo. Mais quand il y a cette question pour répondre, combien l'autre armes vous joignent en dehors de ça? Est-ce que c'est 3 fusils moyens avec manchette là? Est-ce que ces armes ça vous paré pour coup d'état? Moi personnellement, je comprends et je comprends très mal le comportement inspectrice Gauthier. Pour qui ça? Parce que en tant que responsable dans PNH qui a préparé un coup d'état sans prendre les mesures les plus restrictives, c'est bête. C'est bête. Et ceci, c'est très bête pour plusieurs raisons. Parce que, premièrement, ce n'est pas tout le monde qui a des convictions changeantes. Peut-être dans l'opposition, on a des opposants politiques, tantôt ils ont ça, tantôt ils ont ça, des ou des rivaux, des assadvolsi, etc. On va le citer dans tout. Et deuxième bagaille, c'est que technologie, c'est ennemi numéro 1. Toute infraction, peu importe infraction, contravention, délit, crime, depuis ou pas qu'à contrôle technologie ou à victime par ignorance, ou à victime délibérément et puis ou à victime tout par complot. Donc pas qu'on est si c'est sacrivé entre inspectrice et Dimitri, mais ou ouais quelque part t'es gagné une intention de nuire qui t'est cachée des enregistrements ça. Ou à pas orchestrer un coup d'état dans le téléphone, ou fou madame. Non, j'ai l'impression que Diable Jovenel Langue n'est pas petit. Non, sérieusement. Non, c'est... Malgré tout, il faut nous essayer quand même de divertir. Nous, il faut nous ne pas arrêter de stresser dans la situation pays. Nous ne pas arrêter de stresser. Mais on l'entend jeu. L'opposition fait choix de juge Dabrésil pour venir président provisoire. Déjà que l'accepter, ça représente pour Jovenel Moïse une trahison. Ça, c'est une trahison liée pour Jovenel. Il n'y a pas jamais qu'à digérer le pour juge Dabrésil. Tôt ou tard, Dabrésil t'a bien pour le payer ça. Ça, c'est clair. Et gens ça toujours, quiconque moun qui peut avoir les contours, c'est un principe. Et d'ailleurs, en politique, il n'y a pas la neutralité. Soit ça, soit pas ça. Donc, juge-là, t'es déjà sous l'histoire Jovenel. Qui doit mandat président pour qu'on finisse? Ou t'as pensé pour vous aller? Ha ha! Donc, Ça qui vient plus compliquer situation Jovenel Kounia, c'est le fait que yo procédé à l'arrestation juge en fonction, yo humilié et jeté dans la vue des CPJ. Ça c'est un comportement dictatorial qui renforce de jour en jour mauvaise image que Jovenel te déjà. Dans les normes, ce qu'il aurait fallu faire, c'est destituer jugeant puis après juger. Mais à qui assemblée? Parce que pas de parlement alors que jugeant li pas rentré dans cadre citoyen ordinaire, li passible seulement de haute cour de justice qui a jugé. Et donc, pour combien de temps aucun be juge Dabrésil là, nous pas connaît. C'est dans même bagaille ça Jovenel Moïse prend tout. Li en prison pas date, sans juger pour crime contre la sûreté intérieure de l'État. Alors que li clame innocence si haut et fort sous une quantité d'armes que yo joignent la caille, yo joignent dans machine et que il dit toutes armes ça pas pour lui. Il t'a prétendu que c'est la police, il t'a prétendu que c'est l'autorité qui met des âmes dans la machine, en façon pure qu'à piéger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Jusqu'à présent, aucun juge par jamais statué, aucun juge par jamais disponible là pour te dénoncer pour dossier ça pour le finir. Ça qui est là, c'est qu'on veut nous faire croire à l'existence d'un État fort. Est-ce que l'État nous est fort vrai? Le nous fait moun passer avant principe, le nous est moun avant institution yo, le nous est moun avant idée yo. Nous pas ni dans démocratie dans Kassayo, ni nous pas bataille pour nous camper en nation tout. Est-ce que trois fusils, une manchette, café coup d'état pour moi c'est non? En dépit de choix opposition pour te mettre Dabrésil comme président provisoire, journée jeudi à ça pas marché. Y a toujours qu'à prendre l'autre initiative sous base que mandat Jovenel fini et que on veut instaurer un autre régime, un autre gouvernement. Donc si Dabrésil jeudi en nous arrêter, il est toujours probable pour faire l'autre juge de cassation prêter serment comme président provisoire. Ou arrêter l'autre juge, font l'autre, ainsi de suite. Parce que son guerre ouverte qui là, son guerre ouverte qui gagne entre opposition et gouvernement. Parce que nous n'avons qu'à côté où voulons instaurer propre principe par eux, propre démocratie par eux, parce que mandat Jovenel Lampouyo, li fini. Haïti jeudi, c'est le Venezuela d'hier. Deux présidents, un pays divisé, une communauté internationale d'ingérence, de dictée politique, jusqu'à bon loyauté internationale arrive, jusqu'à bon espérer le rive. Pour j'aoté loyal envers Juan Guaido, qui c'est un président de transition de facto Venezuela, est-ce que M. Jean-Louis lui-même li pral bénéficier de un baptême? Est-ce que c'est même confiance ça pral placer dans lui pour retirer Jovenel sous pouvoir? Donc nous pas connaît, n'a suivre et nous là pour nous commenter actualité ensemble. Donc semaine là j'aime te annoncer là son semaine qui hâte, son semaine qui chauffe, son semaine qui riche en information, qui riche en analyse. Donc là pour ça ensemble n'a brassé l'idée. Il n'est nulle part interdit la liberté de réunion. Pour moi trois fusils en manchette pas qu'à bail coup d'état. Ça pas qu'à justifier une intention criminelle. À ce stade des débats, je pense qu'il y a un effort de dépassement de soi qui doit être fait, qui mérite fait au nom de la patrie, au nom de la nation. Haïti avance droit non chaos généralisé là. Et c'est après responsabilité élite intellectuelle, c'est après responsabilité autorité de l'État, et c'est après responsabilité classe de délinquance politique nous là, c'est responsabilité jeune nous qui choisit by vague tout. L'on choisit by vague ou by des incompétents le libre accès pour décider pour choisir dans place où. Li pa ka konsal pas doué comme ça. Gardez qu'on y a qui chaos Haïti pral tomber là. Ou un président élu démocratiquement, ou un président provisoire, un président de transition qui prête serment tout, qu'on y a nous gagne deux présidents dans tête pays. Est-ce que nous a dilemme là, nous gagne deux présidents dans tête pays. Dans stade nous arrivé là, c'est non stade de dialogue national, un dialogue interhaïtien. Comme nous toujours aimer pour blanc vinn décider pour nous, là nous en face deux poids de mesure. Un président élu avec un président de transition de facto. Donc si n'a pas les de réel complot contre la sûreté intérieure de l'État, on a parlé de coup d'État, c'est là nous faisons un coup d'État institutionnel. Côté que l'opposition change et donne à nommé Jovenel, ils mettent président par eux. Parce que pour eux, Jovenel, mandat fini, Jovenel sont président de facto. Est-ce que qu'on y a une situation de deux présidents de facto? Nous te dit déjà, mandat Jovenel a fini 2022 suivant toutes données constitutionnelles nous gagnons. Donc, monsieur dame que nous mettons tête nous ensemble parce que là bien net ni monsieur opposition yo, ni monsieur dame gouvernement yo assuré déjà c'est peuple là dans de l'eau, c'est bien net peuple là dans de l'eau, c'est la vie meilleur peuple là qui dans de l'eau. Donc que nous faisons ça qui est nécessaire, son dialogue qui mérite fait dialoguer. Si Jovenel mérite perdu un an, que le décider de manière à ce que son monde qui gagne potentialité, son monde qui est capable, qui vient remplacer. C'est comme ça pour nous obliger à balancer l'équilibre bagaille. C'est pas venir faire gros poignet, venir faire gros bras, pendant que misère peuple n'a pas soulevé conscience nous vraiment. On nous commence à prendre bonne décision pour le peuple, pour les gens qui vivent sous pile fatra, pour les gens qui vivent à cochon. Pendant que nous-mêmes nous coulé le douce, pendant que nous-mêmes nous fait tout ça pour nous faire, calendrier nous paraît déjà. Bien-être nous assuré, nous te mettons bien 10 femmes, 10 petites, 10 madames, bien-être tout assuré. Alors que c'est sous d'autres peuples, sous misère peuple pour nous faire capital, non? On commence à prendre conscience. Parce que bah ça yo a soulevé bonjour conscience peuple là, le peuple a décidé de soulever vraiment. Là ça n'est pas bon ni pour une ni pour l'autre. Il n'est pas bon ni pour une ni pour l'autre. Merci à nous toutes qui prêtez ma attention. Continuez à partager, commenter, liker vidéo. Voyez feedback positif parce que travail la pape camper dans route. Nous là pour bien-être collectif là, nous là pour la vie meilleure, c'est ensemble pour nous mettre main pour nous espérer changer Haïti. M'a invité nous kembe là dans respect une l'autre, continuer respecter engagement, fidélité nous, engagement confiance nous. Continuer partager vidéo TAK 509 yo, commenter, liker, encourager travail positif qu'a fait là. Kembe là, pas molli. Merci, à demain.